conseil, c'est pour moi en tout cas, c'est de jamais rien lâcher et vulgairement d'être casse-couille. Et sur des projets comme ça où il n'y a pas d'argent et où on se dit on ne peut pas passer par les agents ni les managers parce qu'ils vont nous dire non et que je suis juste personne et qu'ils vont me dire encore plus non, je pense qu'il ne faut rien lâcher. Donc si vous avez envie, en tout cas, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, je suis allée voir plein de gens, il y en a qui m'ont dit oui, il y en a qui m'ont dit non, il y en a qui n'étaient pas dispo après pendant les dates de tournage, donc voilà. Mais j'allais les voir à la sortie des concerts, des one man, etc. Je sais que pour Joey par exemple, on a été avec... avec Mag, qui est styliste sur le projet, qui est là-bas. On a été voir en concert d'NTM, et puis après, on n'avait pas d'invite, on n'avait rien, et on s'est retrouvés dans sa loge. Voilà. On est venu lui dire bonsoir, je sais pas comment, voilà, on est arrivé comme ça, et voilà, en suivant, voilà. Donc voilà, on a été voir, et puis après on a insisté un petit peu. C'est vrai, j'étais un peu harcelée. Magali aussi. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, il ne faut rien lâcher. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'eux, qu'on ait de l'argent ou pas. Puis il ne faut rien lâcher. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut les attendre. Il faut arriver à savoir pitcher son projet en 15 secondes, en 30 secondes, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ça ne les intéresse pas de prime abord et que vous êtes juste personne et qu'ils ont leur vie et qu'ils ont envie de faire autre chose. Ils ont envie de rentrer chez eux, de voir leur famille, etc. Il faut avoir le sourire. Et je pense que voilà, quand on a le sourire, qu'on a un projet qui tient la route, qu'on a envie de défendre et qu'on est passionné, je pense que les gens le ressentent et je pense qu'ils ont envie de venir dans notre univers.